Je vais continuer à travailler et je souhaite que nous revenions au prochain scrutin et aux prochaines élections encore plus préparés, encore plus attentifs aux demandes des Français et encore plus prêts à exercer les responsabilités. Mais nous gouvernerons et la vague qui nous porte est une vague puissante qui s'est exprimée encore hier à près de 37% d'intention de vote. Il y a plusieurs semaines, j'ai assumé mes responsabilités. J'ai construit avec nos alliés une nouvelle alliance politique inédite. Ce soir, nous sommes les témoins d'un véritable coup d'État institutionnel et politique. Aux élections européennes, les Français ont massivement voté à droite. Au premier tour des élections législatives, les Français ont massivement voté à droite. Et pourtant, après des jours de tambouille politicienne, M. Macron amène le pouvoir à l'extrême gauche sur un plateau d'argent. Ce soir, je condamne avec force le jeu dangereux de ceux qui préfèrent fausser le processus démocratique que d'entendre la voix du peuple souverain. On est là.